Non, on peut dire un mot pour ça. Non, non, je me charge de tout. Passe mingo tala nzela oyo to sala ki na mwa mikole muke nzela e bukani. Alors constat biso to sala nzela e bukani ona misalo e sala makiawa e sala mi malamute nzela na parti oyo e bandeli oyo to pese na ngora ba chinois ba sali metteur pour remarquer que purge ya mabele e sala mi malamute. Alors purge wana mabele nenge bisou mouto mesana bizalele mabe to boka ba sachet na nzela ba sachet wana esangani na mabele et puis tant ba sali nzela nzela esali mousse et comme ko gondole alors tant boula makasi yeye ale nzela et boukani. Alors tant nzela et boukani est endommagé banda ku ya ba 8 familles oyo ba vandi nzinga nzinga nzela oyo ba pourquoi qui peut mais nzamba salisi la coupe. Alors na koloba boy ba sachet oyo toza ko bwa kana nzela nazwa ki arrêté ya ko pexa vente na production ya ba mayi na sachet arrêté tozui depuis 6 mois mais toza ko mona bateau. Bazar au continuer, ma petit vendeur, bazar au continuer, côté Kamaï n'a pas saché. Tous les gens police, Azar au Kambamon Mingité, soit à Kaïmoké, à Tiki. Tous les gens production, il y a pas saché. Pour identifier environ 40 sociétés, il y a Libanais, moi, ma Congolais. Bazar produire maïa basaché et puis bazar au pesa baléki nabana pour la route de la résultat n'a yango yango tant que toza koloba bateau bazar au comprendre basaché au toza au bois cananzela et za au baby sa tellement écosystème et za au baby sa mabele tant que toza au toé au sala banzela banzela moi ou mélaté parce que mabele ici est sangani na basaché et créer mousse. Ceux qui m'ont boule à ma casse, et y'a ou bien mon pépé, alors Banzela est comme que cédé. Et si Oyo,
Nzinga nzinga nzelo yo ma famille na bandeko ma vandi ma koré pe kufufu. Alors on a za ko lo baboyi. Semaine oyo to za ko banda. Moto nyoso oya yebi. Ateka kama ina sachet atika. To ko kangaye a ko kene mbala moko na parquet. Moto yo nyoso a produit zaka. Mai ya sachet pe apesi bato bako kende koteka ayeba toko kitela ye na ndako na izine na ye na societe na ye pe toko kanga ye mbala moko na parke ngai moko na kolandela ngo ti bakosuka na makala bako kende motako oki cette route a cédé parce que à l'origine quand la société CDCG une société chinoise a travaillé sur la route ici, la route de la, qu'on appelle la ville de la paix. Cette société n'a pas fait suffisamment de purges pour extirper les immondices et notamment les sachets. Les sachets que nous jetons tous les jours dans nos avenues, dans nos routes. Alors quand ils sont venus faire la route, la purge n'étant pas suffisamment faite, ça a créé une mousse. Avec cette grande pluie diluvienne qui s'est abattue sur la ville hier, ça a causé des dégâts et la route s'est tout simplement défectueuse. La route s'est abîmée et c'est ça. C'est le résultat de notre propre turpitude. Quand bien même l'entreprise chinoise qui a travaillé sur cette route n'a pas, en tout cas à mon avis, fait du bon travail, mais nous sommes responsables de ce qui nous arrive. C'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'appelle une turpitude de notre part. Parce que nous avons cette habitude, cette mauvaise habitude, qui date depuis plusieurs décennies, de jeter les ordures, de jeter les sachets sur les avenues, sur la route. Même si elle n'est pas macadamisée, ne jetez pas. Parce que demain, quand nous allons faire cette route-là, nous allons mettre l'asphalte. L'asphalte ne pourra pas tenir. C'est le résultat, c'est la conséquence de cette route ici. Elle n'a pas tenu parce que déjà le sable s'est mélangé, c'était mélangé avec des ordures, c'était mélangé avec des sachets, ça a créé ce qu'on appelle la mousse. La route n'a pas tenu, elle a cédé à cause de cela. Alors je vais m'acharner. La semaine prochaine, je vais m'acharner. La police va nous accompagner ainsi que les magistrats pour envoyer au tribunal, devant le juge, tout ce qui pollue notre ville, tout ce qui produisent de l'eau en sachet, tout ce qui vendent de l'eau en sachet. Ils sont le premier pollueur, c'est eux. Non seulement ils mettent de la saleté, mais ils détruisent l'écosystème de notre ville. À bon entendeur. Salut.